Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai les cheveux électriques. Voilà. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo haul solde Primark. J'ai été faire un petit tour et du coup, j'ai trouvé des petites choses soldées et non soldées. Donc je vous montre ça de suite. Donc j'ai trouvé pour ma fille un pyjama. Donc je l'ai pas là, j'ai juste l'étiquette parce que je lui ai lavé et elle a voulu le mettre. Donc voilà, donc c'est un pyjama Shopkins. Donc il est comme ceci. Donc c'est un peu en pilou-pilou le pyjama. Et du coup, au lieu de 11 euros, il était à 6 euros. Donc elle était très contente quand je suis revenue avec le pyjama. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un petit collier en forme d'étoile avec des strass. Il est comme ceci. Voilà. Et au lieu de 3 euros, je l'ai payé 1 euro. Donc ça vaut le coup. Hop, deuxième collier, j'ai pris celui-ci, un joli collier. Et donc les deux colliers, c'est de la marque Opia. Et au lieu de 4 euros, je l'ai payé 2 euros. Donc ça vaut quand même assez le coup. Ensuite, pour ma fille, j'ai trouvé ces petites barrettes qui se présentent comme ceci. Donc vous avez une flèche, une petite fleur. Sur celle-ci, c'est marqué Enjoy. Et là, vous avez une feuille, donc c'est des petites barrettes comme ceci, qui se clipsent en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec le j'ai le soleil en hein. Juste derrière. Voilà, je vais mettre la main là. J'ai beau fermer les volets, mais on voit toujours le soleil. Donc, qui sait, c'est une petite pince en fait, comme ceci. Donc pour 50 centimes au lieu d'1,50 €, je vous avouerai que j'ai sauté dessus, je les ai prises. Il y en aurait eu plus, j'en aurais pris plus, mais il ne restait plus que celle-là. Bon, après, pour 1,50 €, hein, c'est pas très cher non plus pour des barrettes. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est un gommage pour les lèvres de la marque PS Pro. Ça se présente comme ceci. Moi, je vais mettre un petit peu plus loin. Voilà, comme ceci. Donc, il y a 10 grammes à l'intérieur. Et au lieu de payer 3 euros, je l'ai payé 1 euro. Donc, je vais tester. Je verrai si c'est bien. Si c'est bien, bah, j'en reprendrai la prochaine fois que j'irai à Primark. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est une éponge à maquillage fantasy. Donc, en fait, vous avez. Je sais pas si on va bien voir. Mais là, vous avez. Ici. Je sais pas si je mets dans ce sens-là. Vous allez mieux voir. Dans ce sens-là, voilà. J'ai approché un peu la caméra. On voit mieux. Donc, là, en fait, vous avez un petit socle pour poser votre Beauty Blender dessus votre éponge à maquillage. Et je l'ai payé 1 euro au lieu de 2,50 €. Donc, sympa. Moi qui cherchais quelque chose pour mettre mon éponge, et ben voilà, j'ai trouvé. En plus, il y avait l'éponge avec pour 1 euro. Ça vaut le coup. Ensuite, j'ai trouvé Coconuts Crème. Donc, je pense que c'est Body Wash. Donc, c'est un gel douche en 250 ml de la marque PS qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez un flacon pompe. Et je l'ai payé 1 euro au lieu de 2,50 €. Ensuite, j'ai pris mes lingettes qui se présentent comme ceci. Donc, c'est les roses. Moi, c'est de la marque PS. Donc, c'est les lingettes démaquillantes douceur pour peau sensible. Vous en avez 25 dans chaque paquet. Et j'ai payé ça 1,50 €. À vous dire, pas grand-chose. Hop, ensuite, je me suis trouvé ce petit haut-là. Voilà, donc qui est très 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 décolleté. Donc il faudra que je mette quelque chose en dessous. Manche 3 quarts. Il est rose poudré de la marque Atmosfera. Et je l'ai payé 3 euros au lieu de 8. Je ne sais pas si on voit bien. Mais bon, pas très cher. Ça valait le coup. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Hop, une petite pochette avec une petite anse pour mettre le bras ou tenir comme ça. J'ai trouvé super sympa. Donc. Hop, vous l'ouvrez. Hop, c'est tout noir à l'intérieur. Vous avez une petite poche. Et je l'ai payé 3 euros. 3 euros au lieu de 6 euros. Donc ça valait le coup. Ah, à chaque fois que je vous dis ça, je vais vous dire ça valait le coup. Parce que c'était en promo, c'était en solde. Pour mon fils, pareil, j'ai pris un pyjama. Sauf que j'ai rien trouvé en promotion. Du moins, il y avait beaucoup de monde. Donc...
J'ai laissé tomber, mais je lui ai trouvé ce petit pyjama qui n'était pas en solde. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est pas de patrouille, un pyjama pas de patrouille. Je vais avancer un peu plus pour voir si vous. Voilà, du coup, petit pyjama pas de patrouille et je l'ai payé 8 euros. Donc, pas en promo, mais c'est pas grave. Ensuite, je me suis trouvé ce petit t-shirt bleu marine. Voilà, qui se présente comme ceci à manches courtes. Et dessus, vous avez un petit cœur, petite bouche. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, comme ça on voit bien là. Petit cœur, petite bouche, petit rouge à lèvres. Hop, donc petit t-shirt tout simple, enfin tout simple avec des petits dessins. Et je l'ai payé 3 euros. Bon, pas de promo dessus, mais pour 3 euros un t-shirt, ça va. Ensuite, je me suis prise une petite jupe comme ceci. De la marque toujours Atmosfera. Donc elle est noire avec une petite fermeture qui prend du haut jusqu'en bas. Voilà, elle est un petit peu fondue ici, mais vraiment léger. Et vu qu'elle est très longue, du coup, il faudra que je la mette avec des talons. Donc voilà, pour la petite jupe, elle était à 8 euros si je ne me trompe pas. Et là, il n'y a pas l'étiquette. Donc 8 euros. Mais il n'y a pas l'étiquette, mais je l'ai eu pour 4 euros donc voilà. Hop, il me reste 3 produits à vous présenter. Donc j'ai repris ceci, les petits cotons à 75 centimes, hein, comme chaque fois que je vais là-bas, je fais le stock. J'ai pris ceci, une petite boîte comme ça, donc elle est noire, donc pour ranger soit le maquillage, soit les bijoux. Et au lieu de 4 euros, je l'ai eu à 2 euros. Donc il me fallait un petit rangement, donc du coup j'en ai profité. Et pour terminer, j'ai trouvé cette petite bougie, c'est comme ceci, donc qui est verte, qui sent super bon. Et au lieu de la payer 3 euros, je l'ai eu à 1 euro, donc j'en ai profité, je l'ai pris. C'est pas comme si j'avais pas 50 bougies à la maison, mais bon. Donc voilà pour ce petit haul Primark solde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.